Salut tout le monde, c'est Natman, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus sur Resident Evil Director's Cut. Alors déjà, faites pas attention à ma voix, elle est peut-être un peu bizarre parce que j'étais un peu enrhumé durant la dernière session de Resident Evil, puis ça s'est un petit peu empiré avec le temps, surtout que là, il y a pas longtemps, là, genre hier, pas plus tard qu'hier, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai fait un festival et j'ai gueulé comme un taré, et puis ça s'est pas amélioré. Enfin bref, donc je vous fais une petite vidéo bonus sur Resident Evil Director's Cut. Simplement parce que dans la dernière partie, donc dans la partie 17, la partie finale, la première version de la dernière partie, hein, parce que j'avais posté deux versions de la dernière partie, il y en avait une où j'avais donné des notes en chiffres, et les avis étaient plutôt négatifs, et je me suis rendu compte que finalement j'avais fait une erreur en faisant ça, que j'étais pas satisfait du fait de donner des notes, donc j'ai enlevé toute allusion aux notes, et j'ai fait une vidéo, enfin j'ai posté une seconde version de la vidéo où, dans laquelle je donne mon avis tout simplement, comme je le fais d'habitude. Donc, dans cette première version où il y avait des notes, on m'a fait remarquer dans les commentaires que les gens, en fait, j'ai vu que les gens étaient un peu déçus de la fin que j'avais eue. Donc, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo bonus en vous montrant une autre fin, en essayant de sauver Chris. Et en essayant également d'enclencher le compte à rebours. Je vous laisse regarder cette petite vidéo bonus. Donc, je vous propose qu'on se reprenne le combat avec le tyran. Et qu'on termine le jeu pour avoir une nouvelle fin. J'espère que vous allez apprécier et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, crève. Don't come this way. No! No! Bon. It can't control what it does. Allez, y retourne. Oh putain. Hey, mais j'ai plus rien là, attends. Enfin, peut-être que je m'équipe de ça, ce serait pas mal. Allez, amène ta face de pute là. Je te ramasse ta gueule. Non. Voilà, ça c'est fait. Ah, puis je vais peut-être même en tirer une de plus. Ça, je vais pouvoir me recharger avec les cartouches. Les cartouches flammes, je sais pas trop comment on doit prononcer ça. Donc on récupère la petite clé. Et on déverrouille, alors je sais pas si c'est la porte d'entrée là, ou si ça déverrouille, parce qu'on m'a dit que ça déverrouillait la porte de la cellule de Chris. Mais je sais pas si c'est la clé là qui déverrouille la porte de la cellule de Chris, ou alors si c'est ça. C'est une ouverture de porte utilisée, oui. Enfin bon, ce serait un peu con, parce que si jamais ça ouvre la porte de la cellule de Chris, ça veut dire qu'il peut s'en sortir tout seul. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on va aller faire un tour. Déjà dans sa cellule. On ira ensuite... On ira ensuite actionner le compte à rebours. La cellule de Chris. Hop, putain. Merde. Oh. LOL. Oh. Putain la vache.
J'ai l'impression que ce genre de cartouche, c'est pas efficace contre ces merdes-là. Putain. Ah, merde, il y en a une autre. Ouais, non, c'est pas efficace. Il leur en faut deux, quoi. Chiotte. Chiasse de buse. On s'en fout, on n'en rencontrera pas d'autres, de toute façon. Enfin, je crois pas. J'espère pas, du moins. Ah ben voilà, vous avez utilisé les clabots, donc on peut ouvrir la cellule de Chris, ouais. Oh, Jill. Sorry for keeping you waiting. So everything is done? Well, almost, yes. Now let's go. Je vais pouvoir avoir une autre fin. Ah d'accord, il me suit. Putain, je pensais que c'était une cinématique, mais quel con. Ah là là, c'est jeune. Ah, il n'y a plus de patrie. Hein. Let's go. Oui. C'est ce que j'allais faire sans toi. Enfin, je l'ai déjà fait sans toi, d'ailleurs. Alors maintenant, on va actionner le compte à rebours. C'était quelle porte ? C'était... Je sais plus où je vais. C'était celle-là, je crois. On va actionner le compte à rebours. Si on peut le faire, on va le faire. C'était là. Oui, c'était là, oui. C'était par là. Juste que les autres vont pouvoir respawn là. Ça a l'air d'être bon. Non, raté. C'est par là. J'ai dit c'est par là. Et en fait, je peux pas l'activer. Bah, comment je fais? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi je peux pas? Ah, c'est dommage ça. Bon, bah, c'est peut-être Wesker qui doit l'activer, sûrement. Et comme il est mort. Ouais, non, je sais pas du tout. Bon, tant pis. On va simplement se rendre sur le toit.
voir quelle fin on aura. C'était par où le toit? Fallait reprendre l'ascenseur ou... je sais plus du tout. Non, c'était... Non, fallait... Fallait faire quoi? Je sais plus. Je vais peut-être simplement reprendre un peu de soin, non? Ouais, si, ça pourrait être pas mal. Un spray. Non, par là. Hop. Au cas où, parce que je sais pas quand est-ce que... Normalement, donc, il y a un combat sur le toit avec le tyran. Mais je sais pas dans quel... quand est-ce que ça se déclenche. Normalement, si j'ai bien compris, ça se déclenche... quand le compte à rebours se déclenche, mais là, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Est-ce que le fait d'avoir sauvé Chris, ça va enclencher autre chose? Autre que le fait de l'avoir simplement sauvé, quoi. Déclencher une nouvelle fin, est-ce que ça va déclencher un autre événement? Jill! Hi, Jill. It's you. Barry? I'm really embarrassed to see you now. Just leave me. Go quickly. It's over, Barry. Wesker's dead. Is that so? Jill. Will you do me a favor? This is my last wish. Please give this photo to my family. Will you? Sure. Forgive me, Jill. Les doublages sont quand même vraiment pourris, hein. My God! Mais cela n'en a l'air vers rien à la puissance dramatique de la scène. Photo de Barry rangée. Allez, go! Let's get going, Chris. We can't stop. No, we can't. Allez, go. Go. Yeah. Ah, il est là. Ah, ça, c'est le symptôme du type, en fait, tu vois. Tu montes avant lui l'échelle et tu le retrouves en haut. Le gars, il s'est TP, quoi. Ça fait la même chose dans... dans Silent Hill 2. À un moment, il y a... Maria qui suit le héros. Et puis, dès que vous rentrez dans une pièce, elle se trouve déjà dedans, dans un coin... Les premières fois, des fois, on a des fois même quelques sursauts parce qu'on s'attend pas à la voir. Cette clé est inutile, la jeter. Oui. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on peut enclencher le compte à rebours. Est-ce que c'est... Fallait voir la scène de Barry avant ou est-ce que je sais pas du tout. Je pense pas. Si là, ils ont pas voulu l'enclencher avant, c'est que... Je sais pas. Je sais pas quand est-ce que ça s'enclenche. Contact me now, okay? This is your last...
Hop, la batterie. Ah oui, merde, la batterie était arrachée. Hop. Oh putain! Oh no! You must be kidding! After we've come all the way here! Ladies first! Go first, Jill! But Chris! Give me a chance to play nice guy. Okay, I leave it up to you. See you again at the heliport. Mais qu'est-ce qu'il fait alors? Genre, tu vas me dire, ils peuvent pas monter les deux là-dedans? C'est tout. Mais il est où, Chris? Bah. Mais. Il aurait fallu que je l'attende ou quoi? Ah non, il est dans l'hélico aussi. Bon bah voilà, une autre fin. Je m'attendais à pouvoir activer le compte à rebours, je sais pas pourquoi j'ai pas pu. Peut-être que d'autres pourront m'éclairer, hein, là j'ai pas, je sais pas. Faudrait que je vais essayer de me regarder un petit peu sur internet, voir comment il faut faire. Bon bah voilà, on a refini une deuxième fois Resident Evil. J'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. Moi honnêtement, je m'attendais à pouvoir activer le compte à rebours. Et puis à combattre le tyran une seconde fois, sur le toit. Mais tant pis, c'est dommage, c'est dommage. Et merci d'avoir regardé ce petit bonus, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vais essayer de gentiment de me remettre un peu de mon rhume là. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, salut.